Oh putain, mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Legacy Fox qui a fait un don pendant la pause et qui a dit « Yo Zera, j'ai une petite question sur LOL à te poser, ça te prendra pas plus de 5 minutes, j'ai juste besoin de ton avis, je suis sur TS, mon nom c'est Legacy Fox, si tu ne me prends pas en live, continue ce que tu fais, tu es unique comme streamer. » Merci beaucoup à toi Legacy Fox, j'ai cherché ton nom sur le TS pour pouvoir te parler à l'écrit, mais tu n'y es pas. Ah si, il y est. Oh putain, on y va. Attendez. Et ensuite on prendra Fractal, parce qu'il avait l'air d'avoir un truc à te dire. J'ai envie de voir ce qu'il veut dire, ça va être trop marrant. Allô. Legacy Fox. Allô. Oh. Tu sais que quand tu m'as fait la donation, tu n'étais pas sur TS. J'étais pas sur TS. Oui, je t'avais pas trouvé. Ah. Alors vas-y, t'as dit que ça prendrait 2 secondes, ça prend 2 secondes. Eh ben ça prend 2 secondes. Allez, vas-y. J'ai vu récemment que sur Facebook d'ailleurs, oui, que League of Legends avait investi dans Curve. Oui. Curse, et, évidemment. Curse. Et tout simplement, oui, je voulais savoir ce que tu pensais d'un chat vocal sur League of Legends. Moi, j'ai mon avis, mais je pense que toi, tu auras le tien aussi. Alors. Et j'attends de le savoir. Ok, bah écoute. Bon, écoute, je pensais que ce serait une question beaucoup plus conne. En fait, c'était assez intelligent. Je suis assez, du coup, je suis assez circonspect et surpris. Mais ok, très bien. Alors, c'est très simple. Un chat vocal sur les MOBA. Il y en a un sur Dota actuellement qui. Bon, qui est ce qu'il est, parce que c'est un jeu Steam, donc il a le chat Steam, un peu comme CS. Je pense que il y aura beaucoup de gens qu'on va devoir mute, et je pense pas que ça servira beaucoup. Genre quelqu'un comme moi, je le désactiverai systématiquement, je pense. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi et tout, parce que moi j'ai pas envie de me faire emmerder quand je joue. Si j'ai envie de me faire emmerder à jouer en vocal avec des gens, je prends mes potes, tu vois. Et en gros, je vais pas aller m'emmerder avec des mecs de solo queue. Après, attention, il peut y avoir de très bonnes surprises. Il peut y avoir, par exemple, des bonnes rencontres, ou alors tu te mets à parler avec un gars et ça devient quelqu'un que t'apprécies, vous rencontrez IRL, vous sortez ensemble, ou alors vous devenez juste amis, c'est génial. Voilà, il peut se passer des trucs comme ça. Ou alors, il y aura sûrement beaucoup plus de trolls que de gens sympas, en tout cas au départ. Mais, je sais pas. Moi, j'en pense pas grand-chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour y voir? Bah, moi, personnellement, je joue à CS, et CS, il y a un chat vocal. Oui. Ce qui aide pour les infos, mais après, sur League of Legends, c'est quand même assez différent. Même si c'est un jeu d'équipe, c'est pas bête d'avoir ajouté ça. Ah oui, bien sûr. Mais on voit rien que sur CS, beaucoup de gens, flame, insultes. Oui, puis il y a la qualité des micros aussi, qui est terrible, souvent. Oui, voilà. Je me rappelle, aujourd'hui, j'étais sur une game CS, il y avait un mec, il avait tout le temps une mouche sur son micro. Enfin, c'était horrible. Et donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que déjà ça filme pas mal dans le chat écrit, donc s'il rajoute un chat vocal, ça va pas être une bonne idée. Le jungler va en prendre plein la tête. Honnêtement, je pense que c'est bien qu'il y soit. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en serviront pas, et je pense qu'à haut niveau, il sera peut-être plus utilisé, ou utilisé de manière plus intéressante. Ah oh, bah, il y a TS, hein, à haut niveau. Ouais, mais non, tu vas pas faire une solo queue et dire « Rejoignez mon TS, MDR !» Enfin, genre, personne va faire ça, tu vois. Oui, en solo queue. Ah non, mais de toute façon, ça ne servira qu'en solo queue, puisque en duo queue ou en jeu d'équipe, tu vas pas utiliser un chat vocal de jeu, c'est pas... Sauf s'il est vraiment ultra pertinent et qu'il est de très bonne qualité, ce dont je doute, puisqu'il faudra qu'il serve pour beaucoup de gens et tout, mais... Je sais pas, écoute... Honnêtement... Il y a quelqu'un, tu vois, il y a Ribard sur le chat qui nous dit « Je vois pas en quoi ça peut être une mauvaise idée, si un mec te saoule, tu le mute. » Je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens où ça peut t'apporter du bon, et s'il y a du mauvais, tu pourras le deny. Donc finalement, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas tenter. Ouais, après, tu peux souvent louper des infos si jamais il parle. Oui, mais si le mec a décidé de troller, et qu'après tu le mute, et qu'il te donne une info, et qu'il dit « Eh, bâtard !» Tu lui dis « Ouais, enfin, mec... » Non mais putain. Après, moi j'attends de voir. Je suis assez sceptique sur ce côté-là. Ouais, je sais pas. À mon avis, ce sera comme tous les chats vocaux, quoi. Il y aura souvent du mauvais, mais quand ce sera du bon, ce sera pratique, quoi. Tu vois. Oui. Je pense. Bah, on verra ça. Bon, bah voilà, c'était ma seule question. Ça a pris plus de 5 minutes, je pense. Ouais, c'était pas mal. Ce fut un plaisir de t'informer là-dessus et d'avoir ton avis. Bah, pas de soucis, mec. Voilà. Et à bientôt, du coup. À bientôt, j'espère. Ok, ça marche. Et bah, ciao, bye-bye. Ciao. Bon, c'était court, il l'avait dit, il a tenu ses promesses. Alors j'avais dit que je prendrais Fractal, parce qu'il a un sujet, je pense, qui vous intéresse, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Come on, jump, salut jump. À toi, bienvenue à Hiroshidan qui s'abonne. Bienvenue à toi, Fractal, pseudonyme intéressant et mathématique. Qu'est-ce qui t'amène, Fractal? Ah bah, je voulais te poser quelques questions à propos du projet Athènes. Oui. Comment t'es venu à participer à ce projet?
Alors en fait, alors je sais pas si tu me suis depuis pas mal de temps ou quoi, mais ça fait pas mal de temps que je fais des events avec Athènes. Et putain, je me fais exploser la gueule, c'est ouf. Et en gros, Athènes m'a contacté récemment pour savoir si ça me disait de participer à ce projet, qui est le projet Avengers. Alors en gros, c'est quoi Avengers? C'est un regroupement de streamers qui se mettent à faire un live pour la charité si d'un coup il se passe une catastrophe de catégorie 1 dans le monde. Sachant que par exemple, le tremblement de terre au Népal n'en était pas une. Donc une catastrophe de catégorie 1, c'est quelque chose de très important. Et ce qui se passe, c'est que on est donc les Avengers du streaming, il a appelé ça comme ça, c'est drôle. Et il m'a demandé si je voulais représenter la France. Et en gros, ça va un peu plus loin que le stream, dans le sens où Athènes m'a dit, on est en collaboration et en partenariat avec des médias un peu partout dans le monde et dans les pays qu'on veut représenter. Et il est possible que si on lance un live de charité, des médias t'appellent pour que tu parles des lives de charité, du gaming, etc. Et voilà. Donc il me dit, ça te fait, c'est pour la bonne cause, ça te fait de la visibilité, tu participes à un projet avec tout le monde. J'étais en mode, comment refuser, tu vois. En gros, il n'y a que du positif. Je me suis dit, bon bah go. Donc voilà, j'ai go. Et ça s'est un peu fait comme ça. Alors il m'avait même pas dit comment ça s'appelait et tout ce qu'il allait faire. Et d'un coup j'ai vu le projet Avengers naître. J'ai fait, ah bah c'est ça, ok, marrant. Donc ça va être cool. Après on espère évidemment que ça se déclenchera jamais, ou le plus tard possible. Et quand ça se déclenchera, on sera là, on sera prêt. Et on prendra le bouclier, quoi. Et voilà. Ouais, bon, je vais aussi voulu te poser cette question, hein, parce que ben, voilà, tu fais une soirée comme ça, autant que le grand nombre de viewers soit au courant, quoi. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après, de toute façon, si ça se fait, je pense qu'il y aura, de toute façon, il y aura l'info, quoi. Enfin, on publiera l'info. Alors, il a quoi? Ha ha! Excuse-moi. Ouais. Ah, mais je suis en train de regarder le stream aussi, t'ai fait un peu défoncer la dernière fois. Oh putain, j'ai tiré Malorn! Excuse-moi. Oui, donc voilà, voilà ce que c'est le projet. Ah oui, sinon, une autre petite question, hein, oui, à part. T'es qui le roux à côté de l'Ège? Eh ben c'est Daishi, tu le sais bien. Tu sais bien que c'est Daishi. Ouais. Bon bah du coup je vais laisser la place aux autres, hein, parce que là, okay, quand t'es passé dans le channel, c'est devenu n'importe quoi là, les animaux sont lâchés. Normal, je comprends. Ah oui, et aussi. Oui. Un petit coucou à toutes les fourmis du serveur Zathercraft. Ah les, hein, fourmis, les meilleures fourmis. Bon allez, salut. Ciao ciao, bye bye, à bientôt. Fractal, qui avait un petit derrière son pseudo, c'était très agréable. Bienvenue à Azertig 123 qui s'est abonné pendant qu'on discutait, et Hiroshidan juste avant. Bon, il doit être bien deg, là je lui nique tout. Comme la section, et c'est reparti. J'ai gardé mes tirs des arcanes au cas où. J'ai tiré Malorn, vous avez vu, je suis un vrai cochon. Donc dès que j'ai 7 de mana, bam. Alors, il y a beaucoup de gens. En fait, je vois même pas, je pense pas que j'arrive à tout lire, mais c'est pas grave. Il y a Quev. Qu'est-ce qu'il veut, Quev? Qu'est-ce qu'il veut, Quev? Vas-y. Attendez, je switch Quev 2 secondes, je sais pas ce qu'il veut. On va lui donner 2 secondes. Oui. Allô. Ah là. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah en fait, je te voyais en train de speedrunner Hearthstone. Ouais, normal. Et donc je me disais, mais toi qui es un grand speedrunner, oui, et amateur de speedrun, est-ce, oui, que tu allais suivre le SGDQ 2015? Mais tout à fait. Alors pas tout, évidemment, comme souvent. Et est-ce que tu allais commenter? Eh ben je sais pas trop, j'ai pas eu le planning. Est-ce que Xavier fait un stream? Eh ben justement je ne sais pas, il y a des rumeurs qui disent comme quoi il en aurait un peu marre. Non, parce que organiser. Moi en tout cas j'ai pas eu l'info, il m'a pas dit qu'il allait le faire. Donc en général, qui ne dit mot ne fait rien. Donc donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Mais je sais qu'il y avait des problèmes par rapport à ce stream récemment, et que ça l'avait un peu gavé en effet. Donc le Summer Game Done Quick, qui est un marathon de speedrun qui se déroule tous les étés bien sûr. Vous l'avez vu, entreaperçu sur la ZTV il y a 2 ans. Et voilà. Donc non, je sais pas. Je sais pas si je vais commenter, je sais pas s'il y a un restream, mais voilà. Et je peux pas organiser un restream, je suis bien trop nul. Comment ça, mon compte le sous-estimer alors que tu mets déjà 20 points de vie à ce chasseur hors du commun. Non mais là c'est ouais, bien parti, pas du tout. Mais là, non mais là ça y est, c'est la merde, il y a 2 clients sinistres sur la table, enfin ça y est, c'est... Ça va partir. Ouais, je connaissais pas cette carte, je me suis remis au jeu il y a 2 secondes. Enfin, mais pourquoi il meurt pas? Ouais, semaines. bah ouais. Ça me casse les couilles. Et cette carte-là me soulassait. Non, mais je le buff, je fais n'importe quoi parce que moi je connais pas le jeu, du coup je fais n'importe quoi. Et voilà. Mais là j'ai tiré Malorn, du coup ça va chier de ouf. Bah, bref. Jolis effets graphiques d'ailleurs. Même carte que je connais pas, je vais apprendre le jeu, c'est ouf.
Là, je vais voilà, je vais pas te déranger plus longtemps, c'était juste en fait histoire de parler un peu du marathon. Ok, c'est un marathon caritatif si vous ne le connaissez pas. Donc je ne sais pas. J'ai l'impression de suivre un peu ce genre d'opération. Je ne sais pas encore en effet, mais voilà. Tristesse. On verra. Tristesse. Mais non, pas tristesse. Ça serait rigolo si tu commentais et compagnie. T'avais déjà fait Mario World de l'année dernière. Oui, j'avais fait Mario. J'avais fait Mario, c'était vachement bien parce qu'en plus je m'étais renseigné sur le speedrun avant. Je voulais pas arriver en touriste comme un caca humain et donc. Et donc voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je me renseigne si je le fais. Hop. Ah, hop. Bah si tu le fais, tu donc je sais pas, j'ai pas l'info. Je fais des notes. Ouais, tu me feras des notes, t'inquiète, vas-y. Je te dirai ça. Bref, voilà. Sinon ça va ? Non, j'ai bah ouais, ça va. Salut. Ça va, mais laisse la place aux autres, les pauvres. Mais oui, mais je me casse. Allez, bon. Casse-toi maintenant, personne ne veut te voir. Bise. Ciao, Quev. Bisous. Quev, évidemment, hein, qui est absolument quelqu'un d'incroyable. Enfin, quelqu'un d'absolument incroyable plutôt. C'est assez, assez fou de le voir là comme ça. Bon, alors attendez. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce qu'il veut lui? Et lui? Et lui? Oh putain. Attendez. Ah, je l'ai vu, mais je trouve plus. Merde. Attendez. J'ai cru voir quelqu'un qui a mis entre parenthèses fille. Faut que je me dépêche de le trouver parce que là je sais que les gens vont se mettre à le mettre. Tant pis, je trouve plus. Tant pis. Peu importe. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Bon alors attendez. Ah là ! Là ! Putaclic, fille. Quoi ? Oui, allô ? Bonjour. C'est une femme ! Alors oui, qu'elle l'avait. Patiemment mon tour. Elle l'avait annoncé. Mais tu l'as annoncé. J'ai... En gros, elle... en plus, tu t'appelles Bones. Oui. Et donc, en gros, ça faisait bonne, entre parenthèses, fille, entre parenthèses, putaclic. J'étais en mode. Ah oui, là, il y a quand même de la volonté de passer en libre antenne. Donc, ok, bienvenue. Merci. Du coup, j'ai fait n'importe quoi sur le jeu. Qu'est-ce qui t'amène dans les parages sens, je sens que c'est un peu mal barré pour toi, mais. Oui, bon. Non, c'est mal barré. On y croit un peu. Bonsoir. Ouais, bah en fait, pour les questions, j'avais pas énormément de questions en fait, mais. Ah bon ? Bah déjà, je voulais te féliciter pour les petites putaclic parce que franchement, je trouve ça fantastique ce que tu fais. Bah merci. Et que au niveau musique, je trouve que tu touches pas mal. Ah, c'est gentil, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça, comme vous le savez, mais bon, après, c'est. Ouais, non, c'est mais particulier. Si en fait, parce qu'en plus, même ce que tu fais dans les chansons, dans les reprises et tout. Bah merci, c'est sympa. Chapeau. Ok, bah très bien. Voilà, et en fait, je voulais savoir ce que tu pensais de LD en fait par Velda. Rapport au regroupement, parce que je vois que tu participes à Top Gun. Oui. Est-ce que toi, ça te tenterait de rejoindre vu le nombre de personnes qui rejoignent déjà en ce moment? Et oui. Bon, je sais que tu faisais partie d'Eclipse avant, mais bon. Alors. Enfin, bref, voilà quoi. Il faut savoir que Level Down n'est pas une structure comme les autres, car déjà, elle n'a pas de locaux et c'est juste un hub de streamers. Ouais. Donc déjà ça en fait quelque chose d'assez particulier. En fait, Level Down n'est pas une entité à proprement parler. C'est un site qui regroupe des streamers. Et en gros, moi j'ai peu d'intérêt à rejoindre quelque chose comme ça, parce qu'en fait ce n'est rien en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, aujourd'hui on peut pas dire que. Enfin, en gros, moi on me dit machin est chez Level Down. Pour moi, ça veut juste dire que son stream est embed, donc c'est-à-dire intégré au site Level Down. Et ouais. En gros. Il bénéficie peut-être de la fanbase d'Hypierre, de Mr. B-Boy, de Fucano aussi, donc des gens qui marchent. Mais aujourd'hui, quand tu marches déjà, t'as peu d'intérêt, entre guillemets, à aller sur un site comme ça. Qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est oui, bien, oui, c'est un bon tremplin pour se lancer. Mais après, bon, je vois pas trop d'intérêt. Et je dis pas ça d'une manière négative, je dis pas que le site est mauvais ou quoi. Juste moi, à mon échelle, ça a peu d'intérêt, je pense, de rejoindre Level Down. Voilà, après. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, après, vu le nombre de personnes que tu arrives à ramasser, ne serait-ce que sur LOL. Ouais, bah oui. Je dois admettre que c'est vrai que non, mais, non, mais donc voilà. De ça non plus, mais bon, après, ne serait-ce que pour l'ambiance. Mais en fait ça, c'est pas grave. C'est sympa aussi, donc voilà, c'était juste pour avoir ton avis. Mais en fait, ça, pour moi, c'est pas grave parce que, du coup, les gens qui sont sur Level Down, en fait, je fais déjà des trucs avec eux, tu vois. Oui, donc, c'est pas. C'est pas grave. Enfin, en gros, quand il se passe un event, à part si c'est exclusivement Level Down, et ça arrive, mais sinon, tu vois, les Top Gun, je l'ai fait, les KTP, je l'ai fait, ils y sont dedans. Bon, je pense pas rater grand chose, tu vois, entre guillemets. Ouais, bah non, mais puisque t'es en contact avec eux, forcément. Oui.
Voilà, c'est... Après, je connais peut-être pas tout, peut-être il y a des choses absolument exceptionnelles. Mais je sais pas s'ils font avec des Twitch. Je crois qu'ils font qu'avec des Dailymotion, non ? Est-ce qu'ils font avec des Twitch ? Ouais, ils font avec Dailymotion pour le moment. Mais ouais, donc bon, en plus, ça. Les bugs. Non, mais ça m'exclut. ça m'exclut totalement, du coup. Je pourrais même pas y aller si je voulais. Du coup, ouais, c'est un truc que je pourrais pas faire. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai intérêt à faire, on va dire. Surtout si ça m'oblige à switcher sur Daily, MDR. donc voilà. Mais par contre, j'apprécie beaucoup de gens chez Level Down et je fais beaucoup d'events avec eux, donc ça c'est pas. Ça c'est cool. Non, mais c'est cool, lui, parce que du coup tout le monde en profite, même ceux qui n'ont pas l'habitude de te regarder, bien sûr. Découvrent. Bon, moi après, je t'ai découvert grâce à mon chéri qui m'a présenté et je dois admettre que la première fois j'ai. T'as eu mal. Qui est ce fou ? Arrête de regarder. Non, mais attends, il t'a montré quoi ? Il t'a montré un best-of ? Et finalement, bah en fait, j'aime beaucoup tes streams, donc bon, je regarde pas tout non plus parce que ça fait long. Ouais, normal. J'aime beaucoup et les Independence Day particulièrement. Ouais, normal. Mais attends, ouais. Il t'a montré quoi ? Il t'a montré un best-of au début ? Je sais plus ce qu'il m'avait montré, mais ouais, je crois que c'est. Non, mais putain, arrêtez. Il regardait un peu tes vidéos, donc je sais plus exactement, mais. Arrêtez de montrer à vos copines les best-of, voilà, putain quoi. De merde là ! Non, parce que. Ouais, c'est une catastrophe. Non, parce que best-of, pas du tout, ouais, ce n'est mais pas c'est ça. Ça qui fait ton. Mais non! Après, les gens regardent. Tout à l'heure, il y a un mec qui est passé, il a dit: ouais, j'ai montré à ma copine les best-of. Elle a dit: fais que gueuler, ça me saoule. Mais regarde, ouais, là, on parle, on crie pas! On est civilisés! Hein? Non, mais sérieux! J'ai peur pour tes voisins. Non, mais du coup, mais il n'y a pas de voisins. Les voisins, ça n'existe pas. Je suis un professionnel. Je ne suis pas vrai, je suis dans un écran. Je n'existe pas dans la vraie vie. Ah mince! Donc, les gens qui n'existent pas n'ont pas de voisins. C'est logique. Ah, mais voilà, c'est ça. Ah, mais les gens ne comprennent pas. Bref. Bon, voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir switché. Je suis bien contente de t'avoir. Mais de rien, y a pas de souci parce que. Non, mais c'était intéressant, tu vois. Bonne fille, putaclic, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, je me suis dit, il faut qu'on sache. Mais j'ai changé pas mal de fois en espérant avoir un petit intérêt, mais bon, je me suis dit. Mais c'est ça bien pas, c'est pas non, grave. Puis je voulais voir. Si... C'est la première fois que je passe, mais voilà. Tout à l'heure, j'ai fait un speech parce qu'il y avait un enfant et j'ai fait un speech sur le fait, sur les enfants et les filles en libre antenne. Je voulais voir si le chat était prêt. Et visiblement, le chat ne l'était pas, donc il y a eu un sub mode. Et donc ça m'a permis aussi de faire un test. Non, mais il n'y a pas de souci, tout va bien, le chat est calmé, les animaux sont au placard. Donc voilà. Bah écoute, merci d'être passé. Et bah écoute, je peux juste faire un petit bisou à des gens. Vas-y, pas de problème. Alors je fais un gros bisou à mon chéri, donc Gaelf, et aux gens du test d'à côté, et à savoir à Alessia qui vient de passer aussi. Donc tu veux dire qu'il existe d'autres TeamSpeak à part celui de la Zerator Communauté ? Mais oui, je suis sur d'autres TeamSpeak. Ça m'étonnerait. À mon avis, c'est un gros mytho. Mais ok, d'accord. Voilà. C'est tout. Bah merci beaucoup. Alors okay. Bonne soirée. Et bah à bonne bientôt. Continuation. Salut. Alors, il y a Rominov sur le TS. Il a mis entre parenthèses OPSP Starcraft. Mais putain. Alors, oh putain, mais il est l'heure. Oh non, pas déjà. Bon. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une dernière personne. Attendez, il y a un mec qui s'appelle Spudosaurus, déjà c'est marrant. Et il a mis entre parenthèses la France attend. Je vais voir ce que la France attend. Ce sera la dernière personne. Sauf si c'est très court. Oui, allô ? Spudosaurus ! Allô ? Ah oui, je mute le TS. Oh là là, il vit à Versailles, la chance ! Il y a de l'écho ? Non ? Mince, pardon. Oui. Non, ça va, t'inquiète. Alors, Spudosaurus ! La France attend. Qu'est-ce que la France attend ? Et la France attend Mister MV sur la team DSF JKL sur League of Legends. Ah à mais quand, je pense. À quand non mais alors le problème de ça, c'est que ce serait tout à fait possible. Mais je pense que les autres membres de l'équipe ne sont pas prêts. Ah bah. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Non mais tu sais que la team DSF JKL a un énorme problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de niveau de jeu pour que ce soit quand même. Tu vois, regardable. Et le problème, c'est que moi, déjà, j'ai pas de niveau de jeu, donc faut trouver d'autres gars qui ont un niveau de jeu. Et quand il y a un autre gars qui a pas beaucoup de niveau de jeu, ça fait deux gars qui ont pas de niveau de jeu. Et donc faut trouver trois gars très bons. Et donc là, avec Mister MV, faudrait prendre, je sais pas, Yellowstar. Ça baisse un peu le niveau, je vois. Mais apparemment, oui, la France attend, comme je vois sur le chat. Mais peut-être, je ne sais pas. Après, je sais, tu vois, Mister MV, maintenant, c'est quelqu'un de très occupé. Il a des responsabilités. Il pèse. Il fait maintenant partie d'une entreprise qui fait des OPSP tous les deux jours. Il s'est vendu. J'ai entendu parler de Streamlabs Squeezie aussi. Voilà, mais c'est prévision. Ça. Attention, Squeezie. Hein. Attention, faites attention à Squeezie. Hein. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Merde. Ah, mais moi j'ai mis clic. J'y ai merde, bite. Non mais Mister MV est quelqu'un qui s'est vendu au monde de l'entrepreneuriat du streaming et des éditeurs, ce que je respecte. Mais voilà, chacun ses directions. Alors, à l'heure où l'indépendance est exceptionnelle, il s'est revendu aux éditeurs. Bon, enfin bref, chacun son problème. Voilà, hein.
Donc si la France attend, bah, la France attendra. Voilà. J'ai envie de dire. Sur un ton plus sérieux. Oui. Est-ce qu'il y a en prévision une Trackmania Cup 3? Tout à fait. Oui. C'est prévu. Ouais. Ce sera c'est ça. À la rentrée, probablement. Et pour savoir pour les choses IP. Et sinon, est-ce qu'il y a un marathon de prévu? Ah non, ça non. Mais tu vois, c'est marrant parce que aujourd'hui même, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un marathon, alors que la dernière fois, j'avais enchaîné quasiment deux marathons. Donc j'étais en mode, ah tiens, c'est marrant. Et du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui pourrait justifier un marathon dans peu de temps? Et j'ai pas trouvé. Je me suis dit, bah rien. Du coup, il va falloir que j'invente quelque chose pour dire, ah, il y a un marathon, tu vois. D'accord, exactement. Faut trouver une bonne excuse. Voilà. C'était juste pour ces choses-là. Ok. Je voulais pas passer trop de temps. C'est juste pour les streams un peu spéciaux en prévision. Ok. Bah d'accord. Voilà. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir pris. Je vais laisser la place parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient passer. Donc, mais c'est la fin voilà. C'est terminé. Ah ben, le meilleur pour la fin alors. Le meilleur pour la fin, évidemment. Bon, merci beaucoup de m'avoir pris. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Merci à plus. Ciao. Il est tombé, vous avez vu. Merci. A plus, à plus. Bon alors c'est déjà la fin de cette libre antenne, il est déjà 23h, putain on a passé combien de temps? On a passé 3h30 ensemble ce soir, ça s'est passé hop comme ça, les gens sont en mode encore, mais non, gardez-en pour plus tard. Il y a beaucoup de gens que j'ai pas pu prendre, beaucoup de gens que je n'ai même pas vu et qui avaient sûrement des choses très intéressantes à dire, j'en suis extrêmement désolé. Merci à Militoc et à Daviels qui ont fait un don. Bonsoir Zerator, vous connaissez ma femme? Oui chef, elle est belle, oui chef. Prends Militoc, après j'ai une ou deux questions à te poser, enfin plutôt une. Non! Ça suffit, un don ne justifie pas d'être pris à la libre antenne, vous devriez le savoir, vous me connaissez, bordel de merde! Et c'est la fin, il faut respecter les horaires. Par contre, on va partir en raid. Mais ça, on ne le montrera pas sur YouTube. Nous allons aller raid. Oh si on peut aller, allez on le montre. Alors mesdames et messieurs, le raid de ce soir va être pour une attention très particulière, puisque c'est quelqu'un à qui je me suis abonné cet après-midi. C'est quelqu'un que je connais, que je connaissais du dernier patch de WoW, de la dernière extension je crois, et qui faisait des raids. Il était membre de la guilde Wraith, il s'appelle Lapin, et aujourd'hui il stream une partie de son progress sur WoW, avec sa guilde qui s'appelle From Scratch, qui a aussi des membres de Wraith. Donc mesdames et messieurs, vous allez dire bonne chance pour le progress. Voilà, juste ça. On met pas Zerator et tout, on s'en bat les couilles. Donc vous mettez tous une fois ce message sur son live. Je mets le lien sur le chat, mesdames et messieurs. Nous, on va aller voir son live. C'est un joueur de WoW qui fait son progrès tranquillou. Et il y en a très peu des gens qui stream du progrès. Il stream pas exactement du progrès, mais il répond à des questions. Il fait des raids avec des viewers, etc. Et c'est super sympa. Il a actuellement 900 viewers parce qu'on est en période de progrès. Donc vous pouvez croire qu'il en a beaucoup. Mais en fait, il a pas tant de viewers que ça quand on est hors progrès. Et le voilà, il est là. C'est Lapin. Il joue Moonkin. C'est un mec très sympa. Et voilà, et bonne chance pour le progrès. Alors faites péter son score de viewers, il est à 959 actuellement, il faut y aller. Je vous repasse les liens dans le chat, mesdames et messieurs. Vous écrivez la phrase bonne chance pour le progrès, vous ne floudez pas, vous ne l'écrivez qu'une fois, et voilà. Vous ne floudez pas, hein? Vous l'écrivez qu'une fois, bordel! D'accord? Donc voilà, et voilà, on va aller le voir, tout simplement, cet homme. Alors là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il est en train de faire du HM pour rattraper un truc. Alors il faut continuer. Faites monter les viewers, allez-y. Là pour l'instant le compteur de viewers ne s'est pas encore actualisé, mais l'idée ce serait qu'on arrive à être plein sur son raid pour déroule tellement pour venir. Bon, il a pas encore réalisé. Attendez pour les donations, attendez. Non, ce spam. Là, donc il est en train de parler et tout. Il est très sympa et il joue très bien évidemment, il fait partie des meilleures guildes mondiales. Il est concentré évidemment. Il est concentré parce que World of Warcraft c'est un jeu dans lequel il faut être concentré dans une phase de boss évidemment. Là en plus, je crois qu'ils sont au début du boss, il me semble. Non, ça va, il est à Iron River. Il est à 27%. Il y a une bombe au fond, Il y a une bombe au fond. Alors évidemment, Lapin. Allez-y. C'est du mythique. Ok. Donc visiblement, ils sont en train de refaire le truc pour reprogresser là où ils en sont. Ils en sont à 9 sur 13, mais je crois que là ils font du HM sur un raid reroll en fait. Je crois que c'est ça. Parce que là, ils jouent son mage, donc ouais, je pense que c'est un raid reroll. Parce qu'en fait, les joueurs de WoW ne streament pas leur progress, puisque. Évidemment, pour cacher leur stratégie, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand ils font plus de progrès, ils stream des raid reroll ou alors ils font des replays des boss qu'ils ont déjà tombés. Donc voilà. Son boss, il est à combien? Ah, il va arriver dans les 20% bientôt. C'est bientôt fini, ne vous en faites pas. Il est à 30% actuellement. L'Iron River.
Continuez, vous pouvez envoyer votre message, il n'y a pas de souci. Il est à 2000 viewers actuellement. Oh, c'est trop nice. Continuez. Allez sur son live, plus il y aura de gens, plus ce sera sympa. Et voilà. Et s'il y en a qui veulent lui faire un petit don, les petits abonnements, c'est rare de voir des joueurs de WoW qui ont du bon niveau et qui expliquent à des gens et qui font des événements communautaires. Donc voilà, ceux qui apprécient World of Warcraft, je pense que vous serez content de découvrir un mec comme ça. Il joue chasseur, il joue Moonkin, il joue mage, il joue beaucoup de trucs. Et c'est. Et voilà, moi je trouve que c'est un mec sympa. Donc voilà, allez-y. Vous écrivez bonne chance pour le progrès et vous y allez. Alors ils font du HM pour ce stuff pour un boss qui est très dur. Méthode l'ont pas tombé. Ouais, je sais. Ils sont à 9 sur 13 actuellement. Vous voyez, il a écrit en haut 9 sur 13. Zakuna Matata, merci de votre soutien. 2600 viewers, allez. Alors oui, par contre, il n'explique pas parce qu'il est en phase de progrès. J'ai vu quelqu'un qui a dit, il explique rien, c'est nul et tout. Non, ils sont en phase de progrès, c'est normal, c'est du hardcore gaming là. Donc bien sûr, en phase de progrès, on n'explique pas ce qu'on fait. Ils l'ont tué. Et donc là, il va aller regarder son chat et il va pouvoir voir votre activité. Ça va être formidable, mesdames et messieurs. Donc c'est chouette. Je sais pas s'il va savoir que ça vient de moi, mais tant mieux. Je préfère lui envoyer des viewers sans qu'il sache, que ce soit un peu de manière sneaky et tout. Cherchez pas d'excuses. Et voilà, c'est tout. La papier vient de dérouler. Pou. La caméra est live, mais qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Regardez ça. Oh, t'es sérieux, Zera? Et voilà, il est là, 2600 viewers. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, les Zera au top, décidément. Parce que je suis passé le voir cet après-midi, je lui ai dit bonne chance pour le progrès, c'est cool, vous êtes devant, on vous soutient, etc. Donc c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. Bon, bah c'est nice. Je suis content. Allez, merci à toi. Et bienvenue à tous. Et merci à tous pour les encouragements. Ça fait plaisir. Il est tout perdu. Vous êtes là, hein. C'est aussi grâce à vous. C'est trop mignon. C'est aussi grâce à vous que, en tout cas, moi, voilà, je me donne à 3000%. Donc, ça fait plaisir. Nice. Ça fait plaisir. Bon. Merci. Voilà. Merci à tous, merci à Zera qui est venu un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Écoute, si tu m'entends, eh bien c'est un honneur. Et merci à tous les gens qui sont présents, ça fait plaisir. Bon, désolé, du coup, j'ai perdu le fil du chat. À tous ceux qui posaient des questions, j'étais à la sur le chat. C'est juste énorme. Alors stop, arrêtez de spammer. C'est juste énorme et bienvenue à tous, hein, ça fait plaisir, faites du bruit. Faites du bruit. Ah bah non, il veut que vous spammiez. En plus, on vient de dérouler sur le recount. On vient de dérouler sur le recount. Alors par contre, ceux qui connaissent pas trop World of Warcraft, c'est sûr que ça va pas trop vous parler. Mais si vous aimez World of Warcraft et les guildes compétitives très HL, vous pouvez aller voir. En gros, il stream sans le TeamSpeak pour pas qu'on entende ce qui se passe avec les stratégies et tout. Et parfois, il met des replays pendant qu'il live avec la caméra. Je vous invite à rester sur ce live ce soir et lui poser un peu des questions, voir un petit peu ce qu'il fait. Donc calmez-vous, arrêtez de flouder, respectez son chat et respectez les viewers qui étaient déjà là parce qu'ils étaient déjà 900. Ça fait super plaisir, merci beaucoup pour lui, c'est vraiment sympa. Allez, nous on se quitte. On se retrouve demain pour l'Independence Day à 20h, 19h30 pour les abos. Merci à tous d'avoir été là ce soir et merci pour le petit lapis, ça fait plaisir. Ciao, bye bye, à demain, passez une bonne fin de nuit, de soirée, de ce que vous voulez.